Oui, nous remercions la presse par les écrits et télévisés, la presse nationale et internationale, de présence sur l'âge matin, parce que nous avons trois clients qui étaient en détention illégale, et il s'agit de Jean-Fednel Tanis, Jean-Edric Pompé et Kessrous Campbell. Eh bien, nous-mêmes, nous avons introduit une action en habeas corpus pour nous être capables de jouer la liberté de Mounsao. L'un était basé sur la Constitution, voilà, sur la loi sur l'appel pénal et sur les instruments juridiques internationaux. Donc, effectivement, le tribunal a tranché en notre faveur et a libéré nos clients. Donc, ça nous a constaté, nous, la libération client fait un écho dans la presse, dans l'opinion. Donc, dans le sens négatif. Et c'est raison ça nous-mêmes, nous là, matin, hein, pour nous décaper expliquer nous-mêmes qui procédure que nous avons entamé, qui était quitté pour pouvoir permettre aux clients de faire une libération. Donc, ces gens-là, nous avons introduit une action en habeas corpus, parce que c'est permis par la loi, et le commissaire du gouvernement était présent pour prendre ses conclusions. Le juge n'est pas lié par les conclusions du ministère public. Le juge a effectivement constaté que nos clients étaient en détention illégale. Le juge a rendu une décision et a ordonné pur et simple la libération de nos clients. C'était là le cas. Nos clients n'ont pas été libérés par la grâce présidentielle, ni par faveur. Donc, ils ont été libérés, n'est-ce pas, à la lumière de la loi. C'est-à-dire, nous basons sur la Constitution, comme je venais de vous le dire, des instruments juridiques internationaux, etc. Et la loi sur l'appel pénal pour obtenir cette liberté. Et ça, combien de temps vous avez fait en prison? Vous avez fait 11 mois vous avez fait en prison. Okay. Le moment est venu pour nous autres, avocats de l'exécuté Jean-Fednel Tanis, et ses deux compagnons d'infortune, d'intervenir au fin de recadrer certaines mésinformations à vertu d'intoxiquer l'opinion nationale et internationale. Plus d'un veut faire comprendre que la libération de l'ex-député Jean-Fednel Tanis serait faite en mal de la loi. Et nous le disons non et absolument non. Professionnel de droit avisé, ayant constaté que la détention de l'ex-député Jean-Fednel Tanis étant devenue arbitraire, s'inspirant des dispositions constitutionnelles, notamment les articles 24-1, 26, 26-2 et 27 de la Constitution, nous sommes pourvus par devant le décanat du DPI de la Croix des Bouquets, en inaction en habeas corpus, dont la vertu était d'obtenir la libération de ces gens en détention arbitraire. Il faut dire que l'action en habeas corpus est également soutenue par certains traités et certaines conventions, notamment l'article 9 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, ratifié par Haïti en l'année 1991. Quand il y a violation systématique de la loi, les organismes, les secteurs ou structures des droits humains doivent intervenir, mais ils doivent contrôler leur intervention pour ne pas faire beaucoup plus de mal à l'opinion. On a été exaspérés et sidérés même d'entendre certaines gens se faisant passer pour des experts, mais n'ayant aucune expertise, opiner sur la question, faisant croire que l'ex-député Jean-Fernand Tanis aurait bénéficié de la grâce présidentielle. C'est stupide, c'est une aberration. Et pour nous, c'est quand même la perversité. L'ex-député, aidé par ses avocats, a pu recouvrer sa liberté d'une manière légale et régulière. L'habeas corpus, venons-en. Il faut dire que l'habeas corpus étymologiquement signifie que tu es ton corps et d'une manière sous-entendue pour le produire par devant le tribunal. Notre action
Donc, en habeas corpus, ne vise pas de dédouaner ou d'anéantiser l'appel intempestif qui a été interjeté par le commissaire du gouvernement de la Croix des Bouquets. Au motif que l'appel, c'est le réjugé, et en vertu du principe du double degré de juridiction, n'importe laquelle des parties n'étant pas satisfaite d'une décision rendue en première instance, eh bien, à bon escient, peut se pouvoir par devant le réjugé. Mais cependant, il faut dire que l'appel interjeté dans les conditions nébuleuses frise un amateurisme exacerbé, car on a osé demander aux honorables juges et présidents de la Cour d'appel de requalifier l'infraction et d'y appliquer une peine criminelle. Alors ce que, au terme de l'article 6 de la loi du 29 juillet 1979 sur l'appel pénal en matière correctionnelle, la Cour n'aura que pour mission d'infirmer ou de confirmer. Et je vous invite à lire ce texte pour que vous puissiez vous en faire une juste idée. À ne pas confondre avec l'article 19, la loi sur les appels concernant les ordonnances émanant du cabinet d'instruction. Mais la méchanceté qui en résulte, c'est que le dossier a été au cabinet d'instruction criminelle. Il y a une ordonnance définitive qui a été rendue, laquelle ordonnance pourrait être querellée régulièrement en appel. Mais le parquet s'était tu, laissant faire, et le dossier a été introduit par devant le tribunal correctionnel. Au tribunal correctionnel, puisque le juge correctionnel, et moi je le dis souvent, les juges, ce sont des savants juristes qui, durant des veilles sans nombre, sont penchés sur les textes en vue d'arracher la vérité de leur contenu. Et tant qu'à qui cette sérénité indispensable à la discussion de la justice impartiale, eh bien, il revient à eux de porter le glaive du réel. Le juge correctionnel s'est un peu formé des dessous de la question, a apprécié le dossier et il a rendu une décision définitive prescrivant la mise en liberté ou la libération des prévenus et leur condamnation à une amende. En serviteur révérencieux de la loi et en tant qu'avocat soucieux de la cause de nos clients, nous sommes débrouillés pour nous présenter à la DGI au fin de payer l'amende et le récépissé a été retourné au parquet, traduisant qu'effectivement le vœu de la loi, ou même le chef de condamnation, se résumant à l'amende, a été bel et bien exécuté. Qu'à partir de ce moment, nous nous attendions, nous autres, à ce que le commissaire du gouvernement respectait des normes et des principes républicains, allait donner suite favorable à cette décision, fût-ce même qu'il nourrissait l'idée d'interjeter appel de la décision. Mais sur la liberté individuelle, qui est sacrée, il aurait dû directement se transcender pour ne pas faire du tort à ces gens qui ont dû passer près de 11 mois en prison, dont la détention étant devenue arbitraire. Et c'est face à cet acte arbitraire et abject que nous autres, nous sommes révulsés et nous sommes pourvus en habeas corpus. Et comme nous l'avons dit, la vertu de l'habeas corpus, c'est pas de dédouaner les prévenus, c'est de pas de néantiser l'appel qui était jeté. L'appel est encore debout, mais l'habeas corpus nous a permis d'obtenir à l'arraché, au bout de fil de rasoir, leur liberté, de telle sorte qu'ils puissent comparaître librement par devant la Cour d'appel au fait de répondre aux différentes questions de la Cour. Mes chers amis, de grâce, est-ce que ces gens ont été bel et bien libérés? Oui, ils obtiennent, selon le vœu de la loi, leur remise en liberté. Il n'y a pas eu grâce présidentielle en leur faveur. Nous autres avocats, nous sommes débrouillés directement du bec et des ombres. Nous avons dû remercier les terres pour faire valoir le moyen de défense et les soutenir au Parlement, le juge, pour convaincre le magistrat de l'habeas corpus, étant convaincu directement des faits et des moyens de défense, le juge a tranché au regard de la loi dont il est le serviteur avisé. On n'a pas intérêt à critiquer le magistrat qui a rendu pareille décision, et le commissaire du gouvernement n'a nullement intérêt à intervenir dans la presse pour directement faire piètre impression, parce qu'au regard de la loi, une décision, une ordonnance de l'habeas corpus n'a pas besoin de l'exécuature du parquet pour qu'elle soit mise à exécution. Il est vrai que le ministre de la Justice l'a dit pas au courant et le commissaire du gouvernement tout. Qu'est-ce qu'il a dit sur ça? Mais au courant de quoi? La justice est autonome. La justice, le pouvoir judiciaire est un pouvoir indépendant. Un
un juge directement ne doit pas être servi par un représentant quelconque de l'exécutif. Et comme je vous ai dit, le commissaire du gouvernement n'étant pas au courant, alors que le parquet s'est fait représenter à l'audience de la habeas corpus, le parquet est un et indivisible, comme la République est une indivisible. Et sans la présence du commissaire du gouvernement, l'audience de l'action de la habeas corpus, mais l'audience n'aurait pas pu avoir lieu. Il a fallu inévitablement la présence physique du parquet, et le parquet s'était bel et bien fait représenter par un substitut, et ce substitut directement, il a fait un vivaille, et la tâche ne nous a pas été facile. Bon, effectivement, il a opposé une résistance de taille à nos actions. Il a fallu que nous autres nous déployons des artillerie lourdes, judiciairement parlant, pour faire comprendre effectivement les conventions dont Haïti est signataire, les prescrits de la Constitution, etc. Il fallait les respecter. Et que le juge, directement, s'est retrouvé dans une tangente où il devait directement dire le mot du droit. Et le juge a dit le mot du droit. Le juge n'a pas besoin, et n'aurait pas besoin, autant que je sache, l'avis du ministre de la Justice, du garde des Sceaux de la République. Il n'a pas besoin non plus l'avis du commissaire du gouvernement pour mettre à exécution son œuvre, puisque son œuvre est faite et fournie. C'est ordonnance exécutoire par provision et sur minute. Si je me rappelle, et si je ne m'abuse pas, je ne me trompe pas, aucun avocat qui se respecte ne puisse avancer pareil ineptie, qu'il ne se serait pas au courant, qu'il devrait être au courant, ça est une action en habeas corpus. Donc je vous dis que à quiconque veut l'entendre, l'action a été bel et bien introduite, et là, et le juge a décidé d'une manière souveraine, en application stricte des textes de loi faisant partie de notre arsenal juridique, donc auquel cas que le parquet se taise et que les autres qui n'ont rien à dire se taisent également. Donc il n'y a pas lieu de polémiquer sur une décision qui est rendue par une juridiction, et cette décision est rendue au nom de la République. Nul et absolument nul personne n'est au-dessus de la République. Cette décision que nous avons fait exécuter est une décision qui est rendue au nom de la République. Quand une juridiction, quand un juge, un tribunal décide, il décide au nom de la République, et ce en vertu des textes de loi. Donc, comme je vous ai dit, ça c'est directement pour faire du matraquage, pour faire du chantage, du verbiage. Et il y a des gens directement qui veulent se faire passer pour experts. Ils avancent n'importe quoi. Mais en pareille situation, nous autres, nous n'avons rien à voir avec celui qui exerce la fonction du commissaire du gouvernement, ni avec celui qui exerce la fonction prestigieuse du garde des Sceaux de la République. Ils doivent se garder, ils doivent s'abstenir, ils doivent laisser directement à la justice de suivre son petit bonhomme de chemin. Donc tout est fait régulièrement, royalement, légitimement. Il n'y a aucune faveur qui nous a été faite, aucune miséricorde qui nous a été accordée. Donc nous autres, nous avons dû remuer ciel et terre pour faire triompher le droit en faveur de nos clients. Voilà exactement de quoi il en est. Mes amis, il faut cesser assez cette action de matraquage, verbiage. Il faut cesser directement avec les équilibrations visant à détourner l'opinion, voulant faire comprendre que le juge aurait péché. Non, le juge a agi en toute humilité, en toute impartialité, en toute neutralité, et le juge a fait preuve de quelqu'un qui connaît le droit et qui a fait une application saine et équitable de la loi suite à l'action en habeas corpus qui a été portée par devant lui à l'audience de ce jour. Voilà exactement de quoi il en est. Donc, les gens, ils sont libérés. Maintenant, ils attendent à ce que la cour soit prête et qu'il se présente devant la cour pour que l'affaire soit définitivement entendue.